J'ai vu le futur. Le cristal est devenu terne et sombre. Je trouvais. Ah bah putain. Ok. Et je sais plus où je voulais aller. L'autre qui meurt. Ok, je viens de comprendre. Ah bah. Y'a pas un mec qui est mort là? Que voulez-vous? Je voudrais vous parler, merde. Non? Ah, je peux vraiment pas vous parler. Oh là là, ils sont d'une non-sympathie. Et ça, c'est quoi? Universel. Et bon, on va y aller aussi. Voilà, comme ça, on écrit des mots. Ah, un pèlerin. Ah, un pèlerin. Pourquoi faites-vous la tête? Pourquoi je vous fais la tête? On est tous coincés, c'est les gelés. Ils ont mâche, je crois. Les larmes. Pourquoi nous là? Alors, Sensei Darmana. D'accord. Ah bah encore plus d'XP. Du coup je suis à combien d'XP là? Oh ça augmente, ça augmente, ça augmente. Peut-être un level up. Oh oui. Ah. Level up. Oui. Alors. Ah bah oui, évidemment. Level up. Level up. Oui. Alors. Alors. Acrobatie. Je pense que là, je boostais tout ce qui est défense. Intimidation et persuasion, voilà, parfait, ça me paraît pas mal. Et donc du coup, attaque sur moi, stress des 6. Oh. Et plus 9 points de vie. Donc, moi je cherche des piliers, hein, je me fous de votre vie. Du coup, je sais plus où je suis. La tête. Oui, alors attends, parce que je crois que je me suis trompé. Alors j'ai tromperie, alternée, coordonnée, outre-plan, universel, et bah. C'est pas ça? Je sais pas, on est pas allé devant? Bah il est là. Alors. Flatter la créature. D'accord. Donner un coup de pied à la créature. Oui, t'as raison. Toi. Bon, alors. Ok, donc c'est ça. Donc je dois sans doute lui parler. Donc, on y va. Tromperie. Donc, tromperie. Elle est de l'autre côté. Ça va. C'est pas super loin. En tout cas, j'aime beaucoup cette partie. Là, c'est. On est sur une partie quand même plutôt calme. Et ce qui n'est pas plus mal quelque part. Même si le cristal là il fait quand même bien flipper le cristal, la vision. Allez, plus vite. Donc, on y retourne. Donc. Tromperie. Ok. Donc, ah c'est ça. Alors, là, oh bah, 400 XP, elle augmente un homme vivant une grosse gourde en peau, scène banale. S'il en fut, puis l'image vient dans une courte aventure. Aventurier. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais.
Ah non, c'est moi qui me prends. Ok, bah je pense que ça doit être. Je pense que. Oui, je me prends les dégâts, écoutez. Je pense que ça doit être. L'outre-plan. Je pense que ça doit être ça. Un groupe d'aventuriers. Dans un donjon. Je suppose que ça doit être ça même. Il est où? Il est là. Ouais, puis je me prends les dégâts, écoutez. Exactement. Ensuite, une série majeure sur un tissu puissant fait qui est de la couleur. Puis un autre homme dans la taverne. À cause d'un, ça prête à voir le contenu. Un perso qui sangle son cheval. L'harnachement et le dos du cheval. Je dirais que c'est. J'en sais rien, on va dire le universel. Au pif. Je prends les dégâts. Ouais, c'est pas agréable. Oui, ce n'est pas agréable. Rien n'est agréable, non, de toute façon. Alors. Ah! T'as déjà fait ce travail jusqu'à Arribes. Ah! C'est bien, retourne avec les... Ouais bah disparaît aussi. Retourne avec les tiens. Arribes de Tidmarande. Cela n'est pas possible. Arribes de Tidmarande est pourtant morte. Je l'ai tuée. Et pourtant, dans les RPG, dans les extensions, ce sont des histoires totalement différentes. Lol, MDR. Bon, par contre, je me prends trop de dégâts. Si je fais R, ça. Ça. Putain, ça marche. Ça marche. Starnak. Bon, ça doit marcher à moitié, je pense, que quelque part. C'est assez marrant. Bon, oh, putain, ça me fait peur. Ah, j'ai cru que c'était pour moi. Bon, la caverne est là, elle est ouverte, on y entre. Vite. Alors. Ah oui, mais j'ai toujours froid, ok. Là, regardez. Ah, puissant le Velox. Une baie. Parfait, c'est déjà pas mal. Par contre, j'ai mal. Enfin, j'ai froid. Au secours. Je fais le tour. Je fais le tour. Je sais pas où je suis. Je sais. Elle est là-bas. Ok. Alors attends. Pause. Hein, au lieu de me prendre des dégâts. Hein. Alors j'ai trouvé. Ok. Bon. Là déjà on est à quelque chose comme 4 quêtes de fait. Voilà. Puis 30. Ah. 25 000, ok. Donc, un chef égaré. Alors, ok. Donc, on y va. On va mettre quelque chose. Allez, on va tout mettre. Un grand feu. Vas-y. Bonjour, mesdames. La glace couvre son visage, on est là, ses cheveux, les couleurs. Pour la première fois, vous remarquez sa beauté troublée et effrayante. Elle vous attaque. Au secours! Au secours! Ah, mais je défonce! Mais je la défonce! Alors, par contre, je ne sais pas si c'est moi, mais les couleurs. J'ai des couleurs un petit peu différentes, un petit peu plus claires. Ah, mais je la défonce! Mais. What? Mais je la défonce! Je vais vous anéantir. Ah, mais attends, si ça c'est le premier combat que je fais, c'est qu'il y a un problème.
Bon, par contre, vous m'excusez, hein. Oh mon dieu, quel combat incroyable! Attendez, si c'est le premier combat, c'est qu'il y a un problème. Mais. Yes, c'est une blague ou je. Alors, je vous assure que je ne suis pas en god mode. Je vous jure que je ne suis pas en god mode. Je suis de ma retraitresse de la ville de Palais. Oh, c'est la suite! Très très, pourquoi me faire confiance, je suis morte, mais ramenez-vous à la vie, on m'a... Pourquoi m'avez-vous attaqué? Attends, je crois que je vous connais. Je pensais vous connaître. Je pensais vous connaître, mais je voulais trouver, je vous ai attaqué pour votre... Oui, mais je voulais trouver, je vous ai attaqué pour votre mémoire. Je crois que je vous connais. Amusant, je ne pense pas me connaître moi-même, je connais mon nom. Tout ça ressort à une pourquoi l'oublier? Vous savez la vérité, je vous disais que je n'aimais pas, je n'ai même pas celles et ceux de maintenant. On n'avait pas envie, si par pitié laissez-moi en agissant ainsi, vous ne ferez que servir, mais juste à fait si nous devons répondre. Hein, j'ai servi tir, Lord Nashor. Ok, donc là on revient sur la quête principale du jeu principal, du coup. Je suis en fin de service après avoir tant perdu, alors j'ai défié les autres. J'ai vu un film d'un homme dans les bons, j'ai vu l'humour, ok. Fentic Moss. Ah bah oui, Fentic. Ce bon vieux Fentic. Alors, c'était soit je le tue, soit la pendaison pour les... en place publique. Au choix! D'accord. Ok. Bienvenue. Joignez-moi, je vous en prie. Ah oui, j'ai la riposte de Team Marvel, 400 points de vie. Ah. Ok. On joue pas du tout dans la même cour. Alors, oui, c'est bien ce que je pensais. Riposte. Ah, elle me suit. Waouh. Bon bah ça y est, je peux officiellement le dire. C'est exactement ce que je cherchais. Alors... Bon, maintenant... Alors attendez, parce que je vois où j'en suis dans le truc. Ah oui, ok, donc je sais à peu près ce qu'on va faire. Ok, donc on va maintenant aller à la taverne, hein, parce que il fait froid, j'ai envie de me reposer, et puis boire un petit coup à la taverne. À la taverne, ça ne fait jamais de mal. De toute façon, qui suis-je pour refuser d'aller boire une pinte à la taverne? Taverne. Le jeu là-bas. Puis là, cette petite session, ce petit début de chapitre 3, il est vraiment très calme. On a eu un seul combat. J'aurais peut-être pu attaquer tout le monde. Mais... Non, franchement, je pense que là, ça va. Le combat contre Aribes, par contre, je ne sais pas. Non. Taverne. Oui, ça... Au secours, je me suis trompé, je crois. Le combat contre Aribes, par contre, je me suis dit, je vais me faire défoncer, mais pas du tout. À la limite, les 13-20 dégâts que je lui mettais, c'était suffisant. Et un cœur de belle. Ah, bonjour. Qu'est-ce que vous ramassez des baies de Melaxor? Tenez bien ces paroles, Yann, car nous ne survivrons pas longtemps sur ces baies. Ok.
C'est un puissant lélin qui s'enracine, s'enfonce très profond dans la glace jusqu'à la lave qui conçoit la glace et le baie en magasin de la chaleur. Oh, ok. Le feu magique ne marche pas, c'est imprévisible. Ah, d'accord. L'amadou, c'est. Oui. Quand fonctionnent ces baies? Si vous trouvez du bois, cassez simplement les baies au-dessus de la chaleur et boutera le feu, mais une seule baie ne produit pas cette chaleur. Je vous conseille d'en utiliser 3 à la fois. Ok. Connaissez-vous le vrai nom du... Oui, évidemment, comme tout le monde. Eh bien, écoute, merci madame pour ces conseils avisés. Et donc, nous, mettons-nous au chaud. Hein, parce que ce serait quand même bien. Oh, il y a de l'ambiance dans cette boîte. Oui. Bonjour. Bonjour. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, est-ce que là... Oh oui. Ah, c'est à ta pose, tu fumes ta clope. Là, on a deux mecs qui sont en train de sans doute de discuter de CAC 40. Oh, c'est Luc Arden, le jongleur là-bas. C'est un menteur et un traître, comme on en voit peu. Mec. Salut, mon pote. Oh, t'es beau. Alors, je sais pas si c'est moi, mais on dirait un personnage de Final Fantasy. Je sais pas, ça ressemble beaucoup. Et ses cornes. Très bien, écoute. Ah, le sang extérieur. Qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Attends, excuse-moi. Excuse-moi mon petit gars, je pense qu'on ne t'entend pas bien. Je crois qu'on t'entend pas très très bien. Hein, tu m'excuses. Hein, voilà. Voilà, donc tu disais. Salutations. Merci. Ouais, alors qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Oh, je suis tombé sur ces morts de pèlerins alors qu'ils quittaient les nimbes. Et je me suis dit qu'ils apprécieraient sans doute une distraction. J'ai un goût pour la possible. Ah bah oui. Le dormeur. Ouais. De quoi vous l'avez-vous les mains? Et comment tu le comptes? Oh, le pandémonium. Cool. Je peux t'emprunter ta trompette. Wesh, il est possible de battre les cartes et les ranges. Rien n'est jamais gratuit. Bon, mais je pense que j'ai vu quoi. Alors, il y a toujours un piège. Pour le prix d'un petit divertissement, je veux bien prêter. Comment ça marche? Je vais vous apprendre un petit jeu de cartes. Vous mélangez le paquet, ensuite je pioche une carte. Vous avez le droit de poser 5 questions auxquelles je réponds oui, mais non. Vous pouvez deviner de quelle carte il s'agit. La valeur croissante des cartes va de l'as au roi. Et il n'y a pas de joker à part moi, évidemment. C'est parti. Alors, une dernière chose, montons les mises. Salaud, videz vos poches sur la table, je vous dirai quand il y en aura. Si vous gagnez, vous reprenez tout. La trompette en plus, si vous perdez. J'empoche les mises. Je n'aime pas ces règles. Ce sont les seules règles. D'accord. Je vais poser une mise sur la table. Je vais poser ceci. Et ceci. Et ceci parce que j'ai pas que ça à faire. Salutations, enfant. Faut y encore dans ma poche une 5000 pièces. Ok. Ok. Allez, vas-y, je l'attends. 5000 pièces. Dans ce cas, je mets mon ami. Combien ça vaut ça? Valeur, non, il n'y a pas de valeur. Je mise mon sceptre. Parfait. Je mise mon putain de sceptre. Salutations. On a la trouille. On a la trouille, B. Pioche de carte. Alors, je suis venu ici en vacances, j'ai pas. Alors. Est-ce que c'est une carte de valeur paire? Ok. Est-ce que c'est une carte noire? Putain, j'ai pas de sagesse. Est-ce que c'est une carte? Est-ce que c'est une figure?
Est-ce une carte plus forte qu'un 7? Ok, il ment. Est-ce une carte plus forte qu'un 10? Je dirais que c'est un valet de carreau, connard. Pendant ce temps, dans un monde alternatif. Où sur cette table se trouvent encore tous les objets. Et dans un monde, encore une fois, alternatif. Hein, où je bois une potion de savoir qui ne me sert à rien. Cette potion de sagesse. C'est bien ça, oui. Utiliser. Je vois. Et ton futur maintenant. J'ai pas un truc de sagesse moi là-dedans. Non. Et j'ai pas mon anneau d'Arébès. Je ne l'ai plus d'ailleurs. C'est bizarre. Alors on y va maintenant. On va jouer un petit jeu, Billy. Allez, poste ta carte. Salutations. Est-ce que c'est une carte noire? Ok, donc ces tests ne marchent absolument pas. Oh, il les prend. Bon, je pense que c'est pas obligé. Ah, je pense que je vais pas arrêter. On me dit dans la soluce que je peux réveiller le machin plus tard. Alors voyons voir ce qu'il y a d'autre. Oh, un petit dragon qui est mignon. Salut toi. Tenancier. Ah ok. Montre-moi un petit peu ce que tu as. Potion d'armure mortelle. Très bien. T'as ça. Ça, je vais t'en prendre pas mal, je t'avoue. Parle-moi un petit peu de quelque chose pour lutter contre le froid. Attends, je produis moi-même une excellente eau de vie à base de baie de Vélox. Et j'ai du mal à faire. Il est fort et tu s'en fous si longtemps qu'un feu allumé par 3 baies. Peut-être plus tard. Si on revenait à mes autres questions. Parle-moi de ta clientèle. Est-ce que tu connais le vrai nom du faucheur? Non, ok, donc toi tu ne me sers pas. Là. Toi t'étais hanté. Oh putain, je me fais peur. Elle m'a fait peur. Oh. Un forgeron. Salut. Wesh. Mon marteau. Oh. Alors j'ai de l'or et je me fais plaisir dans ce cas. Je veux que ce soit. Attends que l'âme m'accélère. 150 000. Zbam. Actuellement, je vais me faire plaisir. Yeah. Gonna go fast. Yeah. Salut. Ouais. Je voudrais que. Ah, montre-moi ce que tu as. C'est le tour de résurrection. Essenric. On va perfectionner une arme Essenric. Je voudrais qu'elle fasse des dégâts de feu à 2d6.
Ça y est, c'est bon. Elle fait des dégâts de feu. Dégâts de feu de D6. Parfait, écoute, très bien. Parfait, parfait. Eh bien écoutez, je pense que on est pas mal, cette petite session tranquillou. Est-ce que je vais continuer? Je pense que je vais faire une petite pause. Et puis je vais continuer un petit peu. Putain, mais je vais trop vite. Oh, je vais beaucoup trop vite. Je vais tellement vite, je pense que je vais... aller au temple, vu que c'est le dernier endroit auquel je dois aller, mais je l'aime. Oh, je mouche Arribette, petite marrante. Je la mouche vraiment. Je la mouche. Bonjour. Bon, je fais une sauvegarde et je reprends dans 5 petites minutes pour essayer au moins de finir avec cette zone. Je pense que c'est possible. A tout de suite.